you? Salut à tous, c'est Thorin Brevasson dans le Regard dans le Rétro pour Pokémon Vert. Donc cette fois-ci on se retrouve dans le bateau et j'avais dit qu'on allait se faire une vidéo plus ou moins entière sur le bateau histoire de le torcher en une partie quoi. Alors, c'est parti. De souvenir, il faut que je vois tous les membres de toutes les cabines pour pouvoir passer en fait le trajet. Alors, ça fait hyper, comme je le dis à chaque fois, hein, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à cette version donc je serais plus bien. C'est quoi ça? Je sais même plus à dire c'est quoi ce Pokémon. C'est un type feu, je sais plus son nom, Galinos. En tout cas j'ai l'impression que son sprite est pas du tout le même que les autres versions en fait. Son sprite est pas du tout le même. On va partir sur Griff. Qui est niveau 25. Par contre, ça serait bien que j'XP les autres aussi, parce que celui-là il est en avance, mais un truc de fou. Par contre, je sais pas ce qu'il va envoyer. Ouais, donc ouais, j'ai bien fait de garder. J'ai rien. Un petit feu, j'aurais envoyé mon Chatifleur, il serait fait one shot. Le reste, je pense qu'on pourrait morfler aussi. Donc on va rester sur ça pour l'instant. Qui tank assez bien. Et de une. Lui, il va me dire. Ok, ouais. On lui dit en gros, on va voir les gens. Bon, c'est le temps. Il me semble aussi qu'il y a un monsieur qui a perdu sa petite ou son petit fils, je sais plus. Au moins que ça doit être dans une autre version, on sait rien. Enfin, moi, il me semblait ça. On va rester sur ça, hein. On va changer, on va prendre. Non, pas lui. J'ai ripé. Hop, je l'attaque. Bon là c'est assez basique hein. Ça va être des combats enchaînés, sans plus. Suivant. C'est possible de se battre même. Ah, un petit peu de référence à la France. Ouais.
Ok. Il vient de parler le Pokémon, on est d'accord. Vite. Moi je sens qu'il va m'agresser, non? Il fallait bien qu'il y en ait un qui m'adresse. Hein. Nidère. Je sais pas ce qu'il vient de faire. Aucune idée. Ok. Ça serait bien de me dire ce qu'il y a dedans. Je vais juste voir s'il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Non, ça c'est pour le jeter ça. Par exemple, toi. Électromagnétique. Ok. Faut l'utiliser pour savoir ce qu'il y a dedans, d'accord. Je sais même pas pourquoi j'ai tenté de lui parler. Sachant qu'elle allait m'agresser. J'étais sûr et certain qu'elle allait m'agresser. Et ça, putain. Et comme quoi, c'est assez efficace ce truc. Hein. Mais ça a raison. Il me l'a fait seulement deux fois, quoi. Et j'ai pas réussi à le toucher. Hein. Et il me l'a fait deux fois et je peux plus rien faire. Sérieusement. C'est quoi la blague? Il va m'avoir? Ok. C'est... ouais. Ouais, toi, tu peux faire, mais... Oh, le sprite arrière est vraiment dégueulasse. Hein. Ok, on va éviter ça, ça. Oiseau volant. C'est quoi le nom de cette attaque? Ok. Bon, en fait, tu vas me tuer, quoi. Ouais, ça, c'est pas drôle. Ouais, toi. On va voir ce que tu veux. Ah, le petit jet de ça au début pour faire plaisir. Ok, je prends vraiment de la merde. Ils sont pas très forts mon équipe, hein. C'est pas la joie. Hein. Allez, meurs. J'ai vraiment, mais genre vraiment, une équipe de bras cassés. Il me semble qu'on a un qui suit derrière. Par contre, là, je suis bien dans la grosse merde. J'ai fait n'importe quoi. Et du coup, là, il me reste plus rien après. Et croyez-moi, ça va être dur.
Eh ben. Exile. Faut que je vois le nom des attaques en anglais. Hein. Toi, j'ai cité ce qu'il veut du coup. Par contre, la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une safe zone entre guillemets, genre un point où on peut se reposer non? Ils vont tous m'agresser direct, c'est ça? Il n'y a pas vraiment un gars gentil. Ok, c'est pour trouver des pépés, d'accord. Oh là. Je sens que cette traduction va me foirer en fait. Ça me tue hein, cette traduction. Je pars avec un méga handicap en fait. C'est aberrant. Pourquoi j'ai voulu porter ça? M'infligez-vous. J'arrive vraiment pas de points pour... Non. C'est quoi ce bateau qui fait 100 mètres carrés là? Sérieusement. Ce bateau est plus grand que le cul de Nicki Minaj quoi. C'est un truc de fou, il est énorme. Ah bah bien sûr. Oh oh, il me balade random, il... Qui vient me défoncer là? Oh putain... Pourquoi? Arrête! Tu me viens te souffrir comme ça. Non. Non mais non. Non, moi je veux pas me battre. Casse-toi. Oui, bien sûr. Oh là là, là 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 là. Ah, je suis tellement dans la merde. Voilà, ça c'est fait. Allez, mêlez-moi tous les caveaux. C'est quoi ça? Ok, on s'en fout, d'accord. Ok, allez, boum. Au revoir. Surend, surend. Oui, bah oui. Allez, au revoir. Non, mais tue-moi d'un coup, au moins. Oh, bah allez. Je suis démoli, je vais mourir en deux, deux. Ah, la putain. Ok, donc je retourne où, là? C'est la grande question. Tion. What? En gros, je dois tout me retaper. Oh non. Ok, donc on retourne dans ce foutu bateau. Ah oui, j'ai un pass. Ok, j'ai le pass. Bon. J'étais parti par là. J'ai... C'est pas comme ça. Ouais. Là, il y avait rien, il me semble. Non. Au contraire, c'est là où il y avait plus de... C'est ce truc qu'il y avait rien.
Je sais pas si je devrais aller voir Régis direct. Je me perds un peu longtemps sur les. Sur les dresseurs ici. Bon, je vais prendre le truc là ici, j'ai goûté les deux mecs. Et on va voir. Bon, ceci n'est pas une lune. Bien sûr, comme un gros débile, j'utilise une attaque. Feu sur un type. Bon, ça a l'air de fonctionner plus ou moins, n'empêche. Non, c'est juste une cause du critique. Ok. Le truc marrant, c'est que j'arrive à faire quand même un minimum de damage. Gélie, de la gelée. Du coup, moi je bouge un peu. Attendez. Quand t'as couple. Ah, le fait que je sois toxique et lui aussi, ça doit pas être... Ouais, c'est ça. Mais écoute, on va changer. Le truc, c'est que moi, j'ai pas le pouvoir de prévoir ce qui va arriver, étant donné que je ne connais pas du tout leur nom en VO, et c'est horrible. Oui, bah bien sûr, oui. Oui, bah oui. Ah oui, bah oui. Ah, mais sinon, c'est pas drôle. Ah, bordel. Sérieusement? Merci, t'es lourd, mec. J'ai quand même envie de retenter avec lui. Et comme un débile, j'aurais pu aller au centre Pokémon. Enfin, au magasin pour acheter des potions. J'aurais pu m'aider. Je vais voir si je peux pas faire le retour. Ouais, génial. Ouais, bien sûr. On regarde le mur. J'aime bien comment le jeu se base que sur deux. Pokémon. Okay. Donc je vais faire juste une petite escale jusqu'au magasin pour essayer de voir quand même. Si je peux y retourner, ça serait classe. Non, pas ça. Ah, c'est du racket et du vol, ça. Les prix. C'est la clé. Ok, on va soigner quand même. Gaspille de potions. Ta-da-dam. Je pense que cet épisode risque d'être assez long, n'empêche. Par là.
Oui, bienvenue, blablabla, blablabla, blablabla. Tchouk tchouk. La musique du bateau, je la trouve insupportable. Ça va se voir. Bon, je pense que je vais aller voir direct Jean-Paul. Ouais, voilà. On va compter. Par contre, c'est marrant, lui, il met son gros coup, son premier pas. Pas son Pokémon Starter. Ou son car à Baf, si je fais pas. Alors là, j'espère que ça va pas faire échouer toutes mes attaques comme le dernier coup. Ouais, là, je vais pleurer sinon. Ah là, je vais pleurer sinon. Ah ouais, non. Ça me rappelle mauvais souvenir là. Ah non, il doit m'avoir comme ça. Sérieusement, il y a combien de pourcentage de chances que je loupe 7 fois d'affilée? Je n'ai aucun mot pour ça. Pourquoi? Là, j'aurais dû l'oublier cette attaque. Ah oui, bah oui, balance encore du sable dans la gueule, hein. C'est pas comme si j'en ai déjà. J'irai. C'est limite si j'ai envie de mettre un Peggy 18 là. Je me fais démolir, ils vont tellement rire. Je pense à tous les collègues qui vont regarder ça, dont un, coucou Yakipon, qui risque de me charrier. Je pense que je vais me faire charrier. Ce jeu est nul. Il me fait démolir, c'est nul. Bah, non, j'ai pas plus fort en fait. Ouf. Bon. Oui. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Oh, j'aime bien moi. Yugel, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu. Woot, mate. Le mec, il s'est pris pour Gaben de Steam. Il vendait une bundle. What? Le jeu. Je fais quoi? Ok. Oui. Si tu veux ça. Ok, le jeu est cassé. Non, le jeu est cassé. C'est quoi ce jeu? J'en ai marre. Pourquoi je casse le jeu? Pourquoi à chaque fois que je joue, je casse le jeu? Mais en plus, il fait hyper mal! Non mais... Ok. Je crois que j'ai pas trop le choix. Bon, ça passe. Mmh.
J'ai peut-être fait un truc. Ok, il est empoisonné. Donc déjà ça, c'est fait. Pour ce temps-là, on coupe de lui. Ça, c'est fait. Ouais, ça ne gratte pas des masques, mais c'est déjà ça. C'est juste nickel si je fais qu'un critique. Je pense que je peux tenir lui. Il va se faire toucher par le poison et je pense que ma prochaine attaque le tue. Bah, surtout s'il fait ça. Il est empoisonné et là mon attaque le tue normalement. Ok, ça passe. C'est joli, c'est nickel, c'est propre. Enfin, peut-être pas le début du combat, c'est propre. Ok. Ok, donc j'ai assez de scoop normalement. Je vais voir ça. Swarms. Ok. Oui. Ouais, ça. Ok, nickel. Donc, je disais bien de la grosse merde, on va pas quitter la ville. Lui ici il part, mais pas nous. L'animation la plus lente du monde. Ce klaxon. On dirait. Franchement, le klaxon qu'on vient d'entendre, c'était Robert Kemener, c'était pas un bateau. Je dois vraiment faire ça, je peux pas faire utiliser directement, je dois... Ah, et je dois sélectionner Pokémon. Oh là là, lourd. Oh. Ah oui, non, l'énigme des poubelles. Oh non. Je déteste. Il y a une technique, je le sais, mais... C'est pas ça. Non. Oh, il vient magro. Oh non, pas les nuits des poubelles.
Pikachu. Pikachu. Bien. Bah, par contre, là, je pense que je dois faire les deux types parce que je pense qu'on va me faire broyer là. Ah merde, il est mort! Je croyais que j'étais soigné. Avec le vieux, on a pas entendu un bruit comme quoi j'étais soigné. Ah merde. Ah, je suis totalement foiré là. Bon, ça passe, vraiment. Mais... Ah merde. Dieu que je suis mauvais. Dieu que le monsieur est mauvais. Là, il meurt. 23, oui. Ok. Ce qu'on va faire, c'est comme on vient de taper une bonne trentaine de minutes sur ce bateau, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va se retrouver pour l'arène dans le prochain épisode. Donc, je vous dis tout simplement à vendredi prochain. Ciao.